Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 septembre 2022. C'est mon dernier jour de champignons parce que demain c'est la chasse au bois et j'ai pas envie de prendre du plomb dans le cul, au mieux, ou une balle à sanglier parce que là, ciao, bonsoir, retour à la maison mère. Hein. Donc voilà, on va voir ce qu'on va trouver aujourd'hui. Il y a quand même suffisamment d'humidité dans le bois, il y a du soleil. Bon, bah, il fait 3-4 degrés là hein, quand je suis arrivé. Et puis on va voir ce qu'on va trouver. Hein. Le soleil va réchauffer la terre, donc les champignons, normalement, vont sortir. J'en profite et puis à tous mes petits copains sangliers, profitez-en aujourd'hui aussi, c'est le dernier jour pour vous. Hein. Ciao, bonsoir, salut les copains. Au Wiedersehen et puis c'est tout. Mais une petite balade le long de l'Asmois à Tillet. Là vous voyez le pont de Tillet là-bas. Une jolie promenade. C'est la rando après les champignons. J'en ai pas eu beaucoup, mais suffisamment pour moi. Et puis comme c'était le dernier jour, donc voilà, je fais une rando là. Depuis un bon moment, j'ai fait une rando dans les bois avec les champignons. Maintenant, c'est une rando le long de l'Asmois. Sur ce joli petit sentier là. Et je vais aller monter sur les hauteurs après. Et bien maintenant, je suis dans une pâture là. Bon, c'était pas clôturé, donc je continue par là, moi, on verra bien. Rien à foutre de rien, moi. Et puis c'est tout. Il y a un coin qui a été aménagé là, avec des cailloux. Il y a un vieux seau, je trouve que c'est un truc de pêcheur, ça, non? Privé, ah bah oui, c'est marqué dessus comme le port-salut. Privé, bah oui. Les mecs, ils mettent trois cailloux, privé, ouais, d'accord. On va faire pareil. Privé, merci, il n'y a pas de quoi, mon gars. Regardez-moi comme c'est beau ça. Là, bon, il y a un peu plus d'eau dans l'Asmois, mais bon, c'est encore pas ça. Hein. Là, je suis sur les hauteurs de Tillet. Et je monte dans les bois. Ruisseau là. Les petits oiseaux chantent. Il y a du soleil, ils sont contents. Et moi aussi d'ailleurs. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir penser au retour parce que mon ventre commence à crier famine. Donc on doit pas être loin de midi. C'est une horloge le truc.